En Grèce, les incendies qui s'étaient déclarés samedi dans le Péloponnèse ont été maîtrisés. Une centaine de pompiers ont lutté contre les feux, appuyés par 7 avions et 2 hélicoptères dans l'ouest de la péninsule, notamment à Olympie. Les incendies encore en cours dans le pays sont globalement sous contrôle. Sur ces images aériennes, les dégâts sont bien visibles sur l'île de Rhodes, où 20 000 personnes avaient dû être évacuées le week-end dernier. Au total, près de 50 000 hectares sont partis en fumée en Grèce depuis le début des incendies il y a 2 semaines. En vacances, en pleine guerre contre les feux, le ministre grec de la protection du citoyen Notis Mitarakis a été contraint de démissionner. La région italienne du Trentin au Adige, dans le nord du pays, a elle été frappée par de violents orages ces dernières heures. Des coulées de boue ont entraîné d'importants dégâts, des routes ont notamment été endommagées. Un pont en bois a été emporté par un torrent, des véhicules ont été ensevelis suite à une chute de pierre sur un parking. Aucune victime n'est à déplorer.